Bien, ça recoupe dans 3 mécènes. Christians of St. Joseph's Metropolitan Cathedral, Mankon, have today been urged by Father Emmanuel Asaba, priest of the Catholic University in Bamenda, to repent for the forgiveness of their sins and to live holy lives as a means to get to heaven. This call was made during the annual Ascension Day service that usually takes place 40 days after Easter Sunday. Today, Ascension Day, we celebrate how Jesus went to heaven 40 days after his resurrection. And that's why the word of God will tell us in Revelation 21:27 that nothing unclean will enter this city. But the Lord will also tell us in Matthew 5:7 that blessed are the pure in heart, they will see God. So Christians, in order to keep the gates of heaven open, must live a life of holiness. It's not enough to repent, but after my repentance, I must live a life of holiness. But the Lord says, be holy, for I am holy. Be righteous, in other words, be loving, be compassionate. These Christians comment on the significance of the Ascension. As a Christian, the Ascension reminds me of how Christ went up to heaven, and paved the way for me as a sinner, opened the gates of heaven to me as a sinner. Today, Christ reassures me of an open door. As a Christian, today the Ascension, that our Heavenly Father went up to heaven, it signified to us that Jesus, going up to heaven, have made the gates of heaven open for all of us. Catholic Christians believe Jesus Christ went up to heaven, body and soul, and he promised his apostles that he's going to send them the advocate to come and strengthen them so that they should go to the ends of the world to preach the good news. We remember that Jesus went up to heaven, both body and soul. This day is believed to give Christians a hope of a place called heaven, given that their Lord ascended into heaven to prepare a place for them after death. À l'Union des Églises Baptistes du Cameroun au carrefour des églises à Douala, le culte de célébration de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, ce 30 mai 2019, est une opportunité saisie par le célébrant du jour pour rappeler les fondamentaux de la foi chrétienne, entre autres l'espérance. Jésus-Christ qui monte sur une nuée au ciel, mais qui promet qu'il reviendra de la même manière. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Des chrétiens qui ne doivent pas regarder uniquement au ciel, mais se mettre en action en partageant cette bonne nouvelle avec leurs proches. C'est l'un des messages issus de la première lecture du livre de la Bible, les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 1 à 11, à la Monte Carmel, parish de l'archidiocèse de Douala. Ici, les fidèles ont pu dire des louanges en l'honneur du Christ qui s'en va leur préparer une place auprès du Père. L'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, est célébrée par la communauté chrétienne 40 jours après la commémoration de sa victoire sur la mort, la Pâque. Yeah, the message today is 40 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ went up to heaven, body, soul and divinity, into the glory of God the Father. He sit at the right hand of the Father, and as he said, I'm going to prepare a place for you, and wherever I am, I will come back and fetch you to be with me. So the message today is all our hope as Christians is to one day get to heaven. So Christ is the open way and the gateway for us to ascend to heaven one day. Because the opening prayer of today says, where the head has gone, the body would follow. Christ is the head and we, the mystical body, which the church, would one day follow Christ to enjoy his glory in heaven with him. 40 days after Christ's resurrection, Catholics and Presbyterian faithfuls have converged on their respective prayer grounds to hail their Savior, who to them has ascended into heaven, body and soul, as St. Charles Luanga Parish.
ago, the parish priest, Reverend Father Ernest Nebangoncho, explicitly underlined the essence of this solemnity. The Solemnity of the Ascension is one of the annual feasts in the church, which is celebrated 40 days after Easter. And it's a day that we believe Christ ascended into heaven after his mission on earth, after he has completed his mission on earth. He came for the salvation of men. He died on the cross of Good Friday, rose on Easter Sunday. Drawing inspiration from the Word of God, Ascension Day is important for all Christians. 40 days after, those appearances stop as we read the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 1 to 2. So that's the day that he went back to heaven. Christian love the name, will celebrate Ascension because it's clear that's one of the facts written in the Bible. So if the Christian believes in the Bible, I don't see why the person will not celebrate. Maybe the matter of celebration may differ. In the Catholic Church, being a solemnity, it will be celebrated just as on ordinary Sundays. Christians were obliged to go to Mass, and in Cameroon we are lucky that it's a public holiday. At the level of Presbyterian Church Moliko, the parish pastor, Reverend Forban Christopher, articulates more on his spiritual significance. Christ assured us that he is going up to heaven to prepare a place for believers. And so it's important because we know that there's somebody who is interceding for us. So we as Christians, we look up to Jesus Christ, believing that he is there interceding for us. With this day being a public holiday, Christians thus have an opportunity not only to feast in church but home as well, given the fact that the risen Lord has ascended into heaven to intercede for them amidst the crisis rocking the northwest and southwest regions. Quarante jours après sa résurrection, le Christ est élevé au ciel pour aller prendre part à la gloire de Dieu le Père. Commémorant cet acte, des chrétiens de la paroisse Fatima d'Onkovos espèrent eux aussi participer à cette gloire-ci sur terre. Venus nombreux aujourd'hui pour célébrer cette élévation du Christ, l'évêque du diocèse de Bolova, prédicateur du jour, leur a rappelé que la glorification du Père passe nécessairement pour l'amour pour son prochain, vu le contexte sécuritaire du Cameroun. Une communauté chrétienne qu'à partir d'une vie de foi, c'est-à-dire une vie où les gens ne sont pas forcément d'accord, mais qui ne se mettent pas en guerre. C'est des gens qui peuvent échanger dans le sens de la construction, mais jamais se combattre. Et donc, naturellement, la fête de l'Ascension nous élève à cette vue de Dieu, à cette dimension de Dieu, pour que nous apprenions à voir Dieu, à voir l'autre, non pas comme un concurrent, mais comme un frère. Même si le Christ s'est élevé au ciel, il n'en demeure pas moins que sa présence parmi nous demeure de par les comportements que nous devons désormais afficher. Jésus qui parcourait les rues de Galilée, nous ne l'allons plus le rencontrer physiquement ainsi, mais il a un nouveau mot de présence. Ce nouveau mot de présence, ce sont l'Église. Ce nouveau mot de présence, c'est l'Eucharistie que nous célébrons. Il se donne à nous dans son corps et son sang. Ce nouveau mot de présence, c'est le prochain. Ce nouveau mot de présence, c'est notre témoignage chrétien qui est désormais demandé à tous et à chacun. Reste seulement à l'appliquer pour qu'au moment de notre départ, nous aussi nous entrons tous dans la gloire du Tout-Puissant. 40 jours après la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, la Pâque, sa dernière rencontre avec ses disciples. Sur une nuée, le Christ monte au ciel. C'est la réalité selon laquelle Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Une curiosité pour ses disciples, mais qui a de grandes conséquences dans leur vie et dans celle des chrétiens de ce siècle. Christ, qui monte physiquement vers son Père, marquant ainsi la fin de son ministère terrestre et surtout la réalisation d'un engagement. Il s'en va pour préparer une place pour tous ceux qui croiront en lui. L'ascension symbolise un mode nouveau de présence du Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible. Même si notre Seigneur est monté au ciel, il reste cependant présent parmi nous. Il ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas orphelins. Le sentiment d'être seul ne doit pas être celui du chrétien. Mais au contraire, Christ est présent parmi nous comme il a promis de le faire tous les temps jusqu'à la fin des temps. Jésus qui s'en va vers son Père préfigure également pour les chrétiens la promesse certaine de la vie éternelle. Un corps humain est entré dans la Sainte Trinité et par conséquent, tous les hommes peuvent espérer un jour entrer dans la Sainte Trinité, entrer dans l'éternité. Aller au ciel, comme on dit communément. C'est d'abord cela le cœur de cette célébration.
Christ s'en va, mais annonce la venue du Saint-Esprit qui descendra sur ses disciples 10 jours plus tard à la Pentecôte, occasion de la formation de l'Église et début de l'activité missionnaire des apôtres. Commençons d'entrer par le thème qui ne souffre d'aucune contestation du fait de son caractère historique et biblique bien établi, à savoir Ascension, qui désigne la montée de Jésus au ciel. Luc chapitre 24 et 50 ou Marc chapitre 16 et 19 le démontrent à suffisance. Le mot désigne aussi la fête 40 jours après celle de Pâques, un jeudi que l'Église célèbre pour fêter l'événement. Pour les fidèles catholiques, l'ascension symbolise deux choses fondamentales que Jésus a promis, en l'occurrence le don de son esprit qui se réalise à la Pentecôte et son retour en gloire pour conclure l'histoire des hommes, ce qu'on appelle la parousie. Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Christ s'en va, mais en même temps il nous promet qu'il reviendra. Il reviendra pour établir son règne. Il ne faudrait pas que la peur des calamités, la peur de la mort qui sont souvent attachées au retour du Christ nous empêchent de désirer ce retour. Ce que nous avons à gagner en étant avec le Christ au ciel dépasse toutes les joies et toutes les souffrances de la terre. Quant à l'Assomption, qui est encore appelée dormition dans la tradition orientale, est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qui est communément traduit par « monter au ciel ». Il convient de préciser que l'Assomption n'a aucun fondement scripturaire, mais est très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident. Cette croyance fut définie comme dogme religieux par l'Église catholique en 1950. Les raisons sont simples. Je pense que nous nous fondons sur la loi, notamment la loi 90/055 du 19 décembre 90, fixant l'origine des réunions et manifestations publiques au Cameroun, notamment son article 8 alinéa 2. Lorsqu'une manifestation est susceptible de causer des troubles à l'ordre public, nous n'avons pas d'autre choix que de l'interdire. Et c'est ce que j'ai fait. En quoi est-ce que cette manifestation justement est susceptible de causer un trouble à l'ordre public? La déclaration que l'MRC a déposée dans nos services contient des revendications qui, de mon point de vue, sont de nature séditieuse. Et dans ces conditions, je ne pouvais pas autoriser une telle manifestation. Ou alors donner suite à une telle déclaration. Quand vous lisez, j'ai sur ma table, vous pouvez le filmer, la demande du responsable du MRC à Bonaberry. Vous allez constater que cette demande porte en elle-même les germes de l'interdiction par le sous-préfet. Parce que dans le premier paragraphe de la demande, on dit la coalition gagnante qui soutient le président Kamto, vient déclarer une marche. Qu'est-ce qu'on appelle une coalition gagnante? Dans une élection présidentielle, il n'y a pas deux gagnants, il y a un seul. Et dans l'ordonnancement juridique interne du Cameroun, il est prévu que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Cela a déjà été fait. Bon, maintenant, si des gens continuent à dire qu'ils sont une coalition gagnante, c'est eux qui ont gagné, ils ont un président élu. Mais ça pose problème. Nous qui sommes des autorités, nous ne pouvons pas cautionner ça. Bon, ça commence par là. J'ai dit à d'autres journalistes qui sont passés avant vous, sur le plan de la forme, la loi dit que les organisateurs doivent indiquer leur domicile. Je vous mets au défi. Voici la demande de M. Kamta. Même un numéro de téléphone, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il ne m'a même pas indiqué que M. Soupefait, si vous avez besoin de moi, voilà un numéro de téléphone. Voici mon domicile, j'habite à Besseke ou à Bodjongo, à tel endroit. Or, la loi dit ici que les organisateurs doivent indiquer leur domicile. Les organisateurs, pas l'organisateur. Lui, il a signé pour le compte des organisateurs, mais nous devons avoir au moins un certain nombre de domiciles précis en cas de quelque chose. Léla, si c'est vous qui avez demandé à déclarer la manifestation. Si on doit venir chez vous pour vous dire que voilà la manifestation a dégénéré, on va vous chercher où?
Représenter le vivre ensemble en peinture avec ses visages connus de l'histoire du Cameroun. Mettre au devant les us et les pratiques de l'artisanat traditionnel qui tendent à disparaître avec le temps. Et satisfaire les papilles gustatives des passionnés des délices culinaires, innovants et locaux. Ce sont là quelques clichés présentés à la première édition de l'exposition artisanale municipale de la mairie de Douala Premier. Une façon de promouvoir, d'accompagner et de développer l'artisanat. Vous savez, l'artisanat, c'est comme la cheville ouvrière de toute économie, de tout développement économique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs types d'artisanat. On a l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service. Vous avez vu, tous ces types d'artisans sont représentés ici dans notre stand. Pour sa première édition, les organisateurs du programme d'exposition ont pensé le concept de la base au sommet. Nous nous sommes dit, généralement, quand on organise des expositions au niveau départemental, les artisans de l'arrière-pays ne sont pas sensibilisés, ils ne sont même pas représentés. Pourquoi ne pas commencer au niveau communal pour aller au niveau départemental, suivre au niveau régional et en finir au salon international de l'artisanat que nous avons dénommé le SIAC, qui se passe chaque année impair. Depuis le 27 mai jusqu'au 1er juin prochain, le site de la salle des fêtes d'Akwa à Douala servira aux expositions et aussi à la vente. Ce 28 mai 2019, les autorités administratives de l'arrondissement de Douala Premier ont procédé à l'ouverture officielle de la dite foire. Des bennes d'ordures pleines stationnées au centre de la ville de Bolova par la société chargée du ramassage et du traitement des ordures ménagères parce qu'incapable d'accéder au site de la décharge obstruée par les populations propriétaires de ce site-ci. La cause de cette fermeture, c'est la réclamation des indemnisations auxquelles elles ont droit depuis 10 ans aujourd'hui pour avoir cédé ce site à l'État du Cameroun. Le sous-préfet Ebolova Premier qui est mort, c'est lui qui avait fait cet arrangement ici en disant qu'ils vont nous payer, l'indemnisation, on fera l'indemnisation, ils vont nous payer comme tout le reste du monde. Tous ces gens-ci, il n'y a personne qui a donné 5 hectares comme nous. Si jusqu'aujourd'hui cela n'a pas encore été fait, c'est que le site en question a commencé à être utilisé sans qu'il y ait au préalable, comme l'exige la loi, une déclaration pour cause d'utilité publique et notifiée aux riverains, qui elle-même aurait dû être précédée d'un titre foncier, aujourd'hui incapable d'obtention. Mais bon, comme ils ont mis les maisons, le cadastre dit actuellement qu'ils ne peuvent plus sortir mon titre foncier parce qu'il y a déjà des maisons. Bon, moi je ne suis pas compliqué, je leur ai dit que bon, d'ailleurs même, l'arrangement était déjà fait qu'on devait nous donner l'argent de cette terre. Pour en savoir davantage sur ce sujet, nous nous sommes rapprochés en vain auprès de la préfecture de l'Ambila qui nous a reposé une fin de non-recevoir. Pour les riverains, impossible de dégager les lieux tant que les 100 millions de francs CFA à eux promis par l'État du Cameroun leur soient remis. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils prennent, comme le terrain a déjà les papiers, ils nous ont promis 2000 francs le mètre carré fois 50 000 mètres carrés. Tu crois que ça donne 100 millions? Si je ne calcule pas mal. Même si c'est le fusil qui vient là maintenant, je vais aller contre ce monsieur. Mais je lui dis que bon, tue-moi. Ici, là, si quelqu'un touche à ce truc, on ne va pas lui dire. Affaire à suivre. The Economic Center Town of the Shear Creek Idabato Subdivision, Bakassi, has suffered another acing attack. The incident that occurred at night took the inhabitants by surprise as they were unable to recover their belongings. The fire incident consumed all the modern houses constructed by the government to the inhabitants in 2015 and some personal houses. Though they are yet to know the cause of the fire, local authorities suspect that it was a planned act. Informed of the incident, the divisional officer DO of Idiabato Subdivision, Roland Ewane, immediately visited the settlement to get a view of what happened and the damages recorded. On reaching the settlement, the area was deserted as the inhabitants had fled for the fear of the unknown. Speaking to the DO at the end of the visit, he said he is certain that the vandals came from Nigeria to carry out the unfortunate act. The incident occurred at night, and
many people were not alert. And most of the houses concerned are those houses that were constructed by the state, by the Cameroon government. That area was really a business center, and so many people lost their shops, their businesses. It's unfortunate that it was done by vandals, and all those people have run away, they have escaped to Nigeria. He also said that the act might have been carried out because of persistent conflicts between two Nigerian communities living in the area, the Ibiobios and the Orons. I've sent words through some community leaders to tell them to come back. Let's see how we can put our hands to our heads together. A total of 60 apartments constructed by the government and personal houses were consumed by the fire. Some teachers' trade unions comprising Batuk, Piatu, Siwotu and Tak have unanimously issued a release appealing that all children go back to school come September 2019, and they denounce the killings and arson hampering activities in the Northwest region. This is coming at a time when students of the Anglophone regions have gone on for 3 years consecutively without effective studies as against their mates in other regions of the country. The number of students in the Northwest and Southwest who now pursue education has greatly reduced, as many rather hawk on the streets while others learn trades than endanger their lives given the constant gun confrontations that now govern the town, the killings, kidnap and demand for ransom rocking the region. Teachers in the Anglophone zones undoubtedly played a big role in the onset of the present crisis when they called for a sit-down strike that paved the way for secessionists to lay hands on the educational sector that now seems to be the driving force of the crisis. One begins to wonder if these teachers will be able to get the prestigious Anglo-Saxon education back to where it was before the year 2016. The question most parents pose is, if the crisis is not solved before September, what guarantees the safety of children while at school come 2019/2020 academic year, preset 3 months from now?